أعزائي الطلبة مرحبا بكم. Aujourd'hui nous allons voir l'exercice numéro 3 de la série de la loupe. Un œil hémotrope dont le PP est à 25 cm. Le PP est à 25 cm, c'est la distance de vision minimale, c'est le DM. Est placé au foyer image d'une loupe d'une vergence 25 diopter. Alors ici, regardez. Ici, on a les mêmes données d'auparavant, mais ils sont reformulés d'une autre manière. Au lieu de dire la distance minimale de vision, ils nous ont dit dont le PP est 25 cm. Est placé au foyer image. On sait que c'est l'œil. Si l'œil est placé au foyer image, donc la puissance P égale 1 sur F, elle devient PI. D'une loupe d'une vergence 25 dioptres. Alors ici, on a la vergence. Ici, la vergence, elle est donnée au lieu de donner la distance focale. Alors, au lieu de donner la distance focale, ils ont donné la vergence. Alors, la vergence C égale 1 sur F. Et donc, le F égale 1 sur C. Voilà, et donc égale 1 sur 25 et 1 sur 25 égale 0,04 mètres qui est 4 centimètres. Voilà. Alors, on a la vergence au lieu de la distance focale. Mais en fonction de la vergence, on a la distance focale. Alors, l'œil est sur le foyer image. Ça veut dire que P égale à PI. Égale 1 sur F. Et ça revient sur la vergence qui est 25 dioptres. Donc, dans ce cas-là, la puissance est de 25 dioptres. Voilà. Tout simplement parce que dans ce cas-là, l'œil est sur le foyer image. Voilà. Et ce cas-là, si l'œil est sur le foyer image, tout de suite, il faut penser que P, la puissance, c'est PI égale à 25 dioptres. Je reviens aux données maintenant. Calculer la puissance et le grossissement de cette loupe. C'est très très facile. Alors, la puissance, c'est bon, on l'a fait. Et maintenant, le grossissement. Alors, le grossissement est défini comme G égale alpha sur alpha prime, pardon, sur alpha.
On n'a pas ici, dans ce cas-là, ni alpha prime ni alpha, mais on a la puissance P et on a la distance DM. C'est la distance minimale de vision. Voilà. Et donc, dont le PP est 25 cm, ça veut dire la distance minimale de vision égale à 25 cm. Donc, la puissance, c'est 25 dioptres fois 25 cm. Il faut la convertir en mètres et elle donne 25 mètres. Et donc, ça va être 0,25 fois 25. Voilà. Alors donc, ici, ça, c'est les données de l'œil. Donc, la vergence, comme ça, vous pouvez voir mieux. La vergence égale 25 dioptres. La distance minimale de vision, 25 cm, qui est 0,25 mètres. Et donc, de l'œil, la distance de l'œil jusqu'à PP, donc on a une vision floue. Et de PP jusqu'à PR, vision nette. Le calcul de la puissance et le grossissement. L'œil est placé au foyer image. Il s'agit donc d'une puissance telle que P égale PI égale 1 sur F prime, normalement c'est 1 sur F, égale à C égale 25 dioptres. Et le G qui est alpha prime sur alpha, c'est P fois DM égale 6,25. Et le grossissement n'a pas une unité. Alors, donc la question suivante. Entre quelles limites peut varier la distance de lentille pour que l'œil voit nettement son image à travers la loupe? En déduire la profondeur de mise au point du champ objet. Alors, dans ce cas-là, ben, je vais faire une petite démonstration. Voilà, donc regardez bien, on a deux cas. Donc, on a le cas où bien sûr, on est toujours dans le cas où l'œil est sur le foyer image. Ça, c'est F. Voilà. Et donc, une autre loupe. Voilà, à peu près. Alors, donc, voilà, donc, voilà, donc ici c'est l'œil sur F prime. Voilà, ici c'est F. Et l'objet, on a dit que dans le cas de la loupe, l'objet se déplace entre, donc ici haut, l'objet se déplace entre, donc ici j'ai A1, B1, voilà, et donc ici aussi, voilà. Donc ici, l'objet peut se déplacer entre. L'objet peut se déplacer entre le foyer F et entre A1. Ça veut dire qu'il ne peut pas être ici, il ne peut pas être ici. Donc, c'est ça son intervalle de mouvement. Donc, il est entre O et F. Soit il est sur F, soit il est entre O et F, pas plus. Et donc, la distance de déplacement, c'est celle-là. Donc, c'est ça ce qu'il nous demande à calculer. C'est cette distance-là. C'est la distance de déplacement, celle-là.
Voilà, c'est celle-là, c'est le L. Et donc le L égale la valeur absolue de OA moins OA1. Alors, le OA égale à F, égale à petit f, c'est la distance focale, c'est le OF moins le OA1. Donc celui-là, on l'a pas. Alors celui-là, on l'a pas. Il faut calculer celui-là. Alors celui-là, donc il donne une image à l'infini. Donc ce cas-là donne une image à l'infini. Mais ce cas-là, il donne une image qui se trouve sur il se trouve sur DM. L'image, elle se trouve ici, sur le point PP. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On calcule le OA1 de sorte que le OA'1 égale à D. Donc, le calcul de OA1 hein, pour OA1 prime sur PP. Mané, hada égale à DM. Voilà. Mané que le OA' égale à moins 25 cm. Bien sûr, pour avoir le OA1 en fonction de OA'1, on revient sur la relation de conjugaison. Donc ça, c'était un petit peu vous expliquer de quoi s'agit-il. Alors, je reviens ici. Voilà. Donc ici, vous avez une image parfaite. Alors, regardez ici, ça, c'est l'objet. Et ça, c'est l'image qui se trouve au point PP. Et la distance de l'œil jusqu'à PP égale à 25 cm. Voilà, tant que l'œil n'arrive l'image, maintenant que l'image, elle se trouve sur le point PP. Voilà. Et l'objet ici, il se trouve entre O et F. Voilà. Alors donc, en revanche ici, si l'objet se trouve sur le foyer objet, donc l'image se trouve à l'infini. Et donc, c'est cette distance L qu'il faut calculer pour avoir la distance ou l'altitude de mise au point. Voilà. Alors, calcul de la position de l'objet lorsque l'image à l'infini. Alors, moi, à partir de la relation de conjugaison, voilà, donc ça, c'est l'image, ça, c'est l'objet. Donc, regardez, je trouve que l'objet, il se trouve sur le foyer. Pour une image à l'infini, l'objet se trouve sur le foyer et donc OA1 égale à F. En revanche, celle-là, si le OA' se trouve sur PP, alors si le OA' se trouve sur OPP, donc ici j'ai le OA' égale à D. Et si le OA' égale à D, donc dans ce cas-là, l'objet, voilà, donc l'objet, voilà 1 sur OA2, ça c'est la distance de l'objet, qui est 1 sur la valeur algébrique de l'image, moins 1 sur OF' et 1 sur OPP. Hadi, c'est moins 25 ou Hadi, c'est moins 4. Hadi, c'est plus 4, pardon, parce que la loupe, c'est une lentille convergente. Voilà. Et donc, on trouve que le OA2 égale moins 3,36 cm. Et si je remplace, donc, elle dit, c'est 4 moins 3,33, c'est 0,64. Voilà.
Je pense que vous avez ici la solution en détail. Donc, alors vous pouvez regarder la vidéo, la regarder et laisser vos commentaires dans la partie commentaires. Ça, c'est très très facile. Mais comme j'ai adoré le OPP. Alors, au lieu de mettre OPP, vous pouvez mettre DM. Ou DM, c'est moins 25 cm. Ou هذا le SPP. هذا le SPP, c'est quoi? C'est celui-là, moins 25 cm. Voilà. Alors, donc, alors le OSPP, c'est celui-là. Donc, O, A'. Le O, A', c'est quoi? C'est la distance tel A' qui est 25. Donc, ça devient de O jusqu'à PP, c'est moins 21 cm. Voilà. Alors, je vais démontrer un petit peu. Voilà. Alors, donc. Donc, head. Ça, c'est la position de l'objet lorsque l'image est à l'infini. Alors, lorsque l'image est à l'infini, donc, lorsque l'image est à l'infini, alors, image à l'infini, معناه عندي 1 sur O F prime égale 1 sur O A prime. C'est la relation de conjugaison moins 1 sur O A. Voilà. Voilà. Alors, moi, ce que je cherche, alors, je cherche celui-là. Celui-là, c'est l'infini. Donc, madame, l'infini, c'est 0. Autrement dit, 1 sur OF' égale 1 sur OA. Et donc, le OA égale moins O F prime. O F prime moujba, parce que la loupe est une lentille convergente. Et donc, le O A self, parce qu'il est dans le côté de l'objet. Donc, il devient moins 4 cm. C'est là, mais là. Voilà. Donc, c'est ça. Hada le premier cas. Hada, c'est le premier cas. Maintenant, le deuxième cas. Le deuxième cas, il est très facile aussi. Alors, le deuxième cas, le OA1. Donc, cherchez le OA1. Le OA1. Ce que j'ai, moi, j'ai la distance de OA1 prime. D'accord? Alors, donc, c'est 4 cm. Ou DM, c'est 25 cm. Quand les étudiants, les traitent avec le moins et le plus. Alors, je m'ai dit, on dit 4 cm. Ou on dit 25. Donc, je suis regardé. Donc, on a dit la distance. Hadia, libre vert. Hadi, c'est 21 cm. Mais il faut faire très attention. 21 avec un mois. D'accord? Donc, avec qui nous l'ouvre la relation de Jibriya, hadou libre mois. D'accord? Alors, donc, j'ai 1 sur OF prime égale 1 sur O A 1 prime moins bien sûr à la carte Jibriya 1 sur O A. Voilà.
انا باش نلقى لو او ا alors donc هنا نجي donc او ا هكذا égal خدمناهم بزاف on les a démontré voilà هذا يجي منا هذا يجي منا donc او ا c'est 1 sur او ا 1 prime moins 1 sur O F prime. Voilà. Kifash n'awot? N'awot 1 sur 1. Le O a 1 prime, on a l'qina. Au 21 cm. Le mesaf a mis bsah bkitouli bil qiyas el jabri. Raw jay fi el jiha el saliba. Donc on a nhat. Voilà. Moins 21. Moins 1 sur Hadi Moujba. OF' Moujb. Parce que le F' Aoujaïmna. Et donc sur 4. Alors, qui n'hsbou Hada Kamel? Nous allons trouver. Alors, nous allons trouver. Ah, moins 3,36. C'est très facile. Donc, par exemple, les signes, etc., vous allez paniquer. Il ne faut pas paniquer, il faut comprendre. Il faut comprendre les expressions. Après, c'est bon, ça devient facile. Voilà. Alors donc, moi, si je reviens ici, alors j'ai moins 3,36. Alors, je reviens sur mon petit tableau. Et voilà. Et donc, c'est moins 3,36 cm. Voilà. Alors, شوف معانا le OA1 هو الكبير اللي هو 4. Donc هذه ال L. Donc le كبير هو 4. نحن ما نديرني ناقص ني زايد. انا عندي هذا هو 4 وهذا صغير هذا هو -3,36 ça n'est pas tout. Wahada, c'est moins 4. Donc, Hada 4. Voilà. Quand tu as tapé la relation algébrique, tu diras maintenant naqs 4. Naqs. Naqs 3,66. Voilà. بالقيم الجبرية. تولي لك ناقص 4 زائد 3,66. بالقيمة المطلقة حتخرج لكم c'est très très facile. Il n'y a pas plus facile que ça, mais il suffit de comprendre la signification de chaque terme. Voilà, donc voilà, c'est ça. Alors donc, il nous reste l'exercice numéro 4 à résoudre. Dans la prochaine séance, nous allons le résoudre et après, on passe aux séances de révision. Merci pour votre attention et je vous dis, pardon, au revoir.